soleil se couche sur Fakarava. Aritu et ses amis se retrouvent à la salle pour une partie de futsal, sport en vogue, au Tuamotu. Aux aurores, le lendemain, Aritu ira à la pêche. Pendant ce temps-là, sur le quai de Fakarava, il y a du mouvement. Des familles sont là avec leurs moulinets. Les Atouré, Komene et Omutu sont au rendez-vous. Les seaux se remplissent petit à petit. De quoi nourrir la famille pour ce soir. Là, ça fait 2 mois maintenant, on pêche. Depuis mi-novembre Début décembre. Voilà, un peu comme ça. Début décembre jusqu'à aujourd'hui. Et tous les soirs, tu es ici? Non, pas tous les soirs. Des soirs, oui. Quand c'est rempli, rempli le seau, je reste à la maison pendant 2 jours. Ouais. Le 3e jour, je suis là. Combien de temps à peu près il te faut que tu restes ici pour que ça t'en soit? 2 heures. 2 bonnes heures, voilà. De pêche. C'est bien rempli le seau. Le paquet est aussi requin. Cinq heures le lendemain, c'est l'heure pour Aritu d'aller à la pêche. Avec son harpon en main, il longe le récif à la recherche du moindre poisson. Et la pêche au harpon, il en a fait sa spécialité. Depuis mon enfant, j'ai fait ça quand j'avais 8 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai 18 ans. Et tu as appris la pêche au harpon avec qui? Avec mes copains. Okay. C'est un passe-temps, ça, pour nous. Une pratique qui n'est pas évidente puisqu'il lui arrive de parcourir 2 km rien que pour un poisson. Au bout d'une heure de marche, la chance lui sourit enfin. Le poisson est là et pour l'avoir, il faut être le plus discret possible. Il faut que tu sois le plus discret possible pour se rapprocher du poisson. Et dès que tu vois qu'il est bien placé pour toi, ben c'est là que bam, tu le harponnes. Et il ne faut surtout pas hésiter. Hein. Sinon, quand il va s'en aller, il s'en va pour de bon. Comme Aritu, de nombreux jeunes Paumutu à Fakarava pratiquent la pêche au harpon. De quoi nourrir leur famille ou de se faire un peu d'argent de poche. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.